Bah salut petit trader, t'es bien sur la chaîne de Big Monster. Et en fait bon là j'étais en sur... enfin je suis dans ma survie, je suis dans mon monde normal. Enfin déjà truc de dingue c'est que à côté du spawn j'ai cette forteresse du Nether. Et juste à côté j'ai le bastion. Donc vraiment pas mal. En fait le spawn à moi il est par là, pas très loin. Ok, il a disparu. Et en fait l'idée c'est que je voulais trouver juste des verrues du Nether en fait. Déjà j'ai eu deux spawners à Blaze et j'ai 40 bâtons là dans le coffre. Donc ça c'est bon. J'ai même plein de potions en rab là pour refaire les Blaze. Mais il manquait un truc pour faire l'alchimie, c'est les verrues du Nether. Et en fait j'ai checké et rechecké toute ma petite forteresse. Elle est pas très grande en fait. La forteresse, il y a de ça mais aussi de l'autre côté etc. Et il n'y a pas de verrues. Et je suis embêté. Et en fait j'ai regardé sur Wikipédia, il y a deux endroits où on peut avoir des verrues. Il y a les forteresses du Nether et les bastions. Alors les bastions, bah, j'en ai un devant moi, il est colossal, j'ai de très mauvais souvenirs. Enfin c'est un lieu absolument incroyable. Mais c'est un lieu, c'est le lieu le plus dangereux pour moi du Nether. Genre le truc c'est que t'as le mec qui vient avec sa hache, il te pète le bouclier. Et après le prochain coup de hache tu meurs quoi. Donc en fait il y a un potentiel chaos qui m'attend. Donc je pense que je voulais filmer pour filmer ça. Soit ça va être une réussite et ça va être une dinguerie. Soit ça va être ma mort et ça va être pas mal. Donc moi mon objectif c'est extraction de verrues. Mais pas plus hein. Et apprécier les décors mais je flippe déjà. En fait pour vous dire l'anecdote mais c'est que... C'est du wizard tout ça. C'est qu'en fait... Mais pourquoi ils spawnent ici les Blaze? C'est qu'en fait, pourquoi j'ai été... j'ai un trop mauvais souvenir. C'est que l'un des premiers bastions que j'avais vu, je suis allé à l'entrée. Et à l'entrée, il y a un mec qui est venu avec sa hache dorée qui m'a défoncé. Et en fait, j'ai assimilé ça comme un garde de l'entrée, tu vois. Et le bastion, dans sa globalité, comme quelque chose d'infranchissable, d'infaisable. Et c'est pour ça que j'en ai un mauvais souvenir. Et en fait, pour les quelques fois... J'ai un crâne. Pour les quelques fois où je me l'étais farci. Waouh, stylé. Et ben... j'avais joué à l'arc à distance. Enfin, voilà quoi. Mais en vrai, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai un putain de crâne. Je peux le mettre. Oh, trop stylé. Ok, on fera une collection de crânes. Très content du crâne. Ah, j'aimerais vraiment avoir la verrue par contre. Il y a un autre ici. Mais pourquoi il spawn Il y a plein de spawns là. Il est où? Il veut pas se montrer. Coucou, je suis là. Non, il réagit pas lui. Ok, on va se les faire. Hein, mais juste, je voulais m'assurer ça. Oh là là, je suis une lenteur. Qu'est-ce qu'il fait? Sombre. On va... Si on peut, on va se refaire des torches avant de partir bien. Voilà, ça va me libérer de l'emplacement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, on est parti. J'ai assez blablaté. Donc déjà, j'ai eu peur. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de mobs que ça. Là, je vois rien. C'est assez joli. Je vais sûrement pas aller tout droit, mais donc je vais commencer à aller un peu à droite. Je suis déjà allé par ici, c'est marrant ça. Mais là, je flippe, hein, juste... Attends, mais... Ah. Ok. En fait, je suis déjà venu d'en bas. Mais pas plus. D'accord, ça mène là. Enfin, je dis ça comme si c'était évident. J'ai pas une super bonne mémoire de la forteresse du Nether. C'est pas forcément simple de se repérer là-dedans. Mais ok, il y avait une autre entrée ici. Ok. Donc là, typiquement, je pourrais aller tout droit. Donc en gros... Je suis alerte, hein, je suis alerte. De ce que j'ai compris, il y aurait des verrues ici. Alors, soit elles sont dans des coffres. Soit elles seraient... Par terre, cultivable. Cultivé.
Du coup, je vois rien. J'espère ne pas confondre les deux bâtiments. Ça se trouve, il y en a un qui est abandonné et un qui ne l'est pas. En tout cas, c'est stylé. Ça fait vraiment une forge. Faudra que je m'en inspire dans ma survie. Genre, celui-là, il est infesté, c'est sûr. Mais si ça se trouve, l'autre, il est vide. Possible. En tout cas, il y a deux blocs d'or là. Je vais juste le pousser dans la lave parce que ça m'amuse. Il meurt pas, mais ça me fait plaisir. Bon, bah à droite, il n'y a pas. Il n'y a que deux entrées. Il y a celle-là et celle-là à gauche. Oh putain, et les blazes, ils me foutent la pression de fou. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des potions jetables. D'accord. Ok, j'étais pas au rez-de-chaussée. Donc ici, il y en a. La question, c'est est-ce que je ferais pas mieux de m'équiper en or? Je suis pas sûr que ça m'épargne grand-chose, mais je vais peut-être faire ça rapidos. Putain, il y a encore un squelette. On va faire ça. Attends, j'ai vachement de pépites en fait. Hop. 17. Alors, soit je fais un. Alors, j'ai le choix entre le casque. Protection contre les explosions. Bah, je vais pas avoir d'explosion. Solidité, c'est bien. Protection contre le feu, on s'en fout. Et la protection, c'est important. Donc, à la limite, bah, le casque. Ça va me protéger mon apnée et mon truc aquatique. Ça peut être trop mal. Alors, je sais pas exactement si ça va me servir ou non. Dans le sens où je pense que de toute manière ils sont hostiles. Mais dans l'idée, bon voilà quoi. Là, faut pas que je tape un zombie là parce que sinon ils vont tous venir sur moi. Alors je flippe un peu mais c'est normal. Hein. Il n'y a pas des escaliers ici non. Ok. On va finir par avancer au pire. Enfin, en fait, plus le temps passe et plus je me sens à l'aise, évidemment, mais. Alors, il y a des trous partout. Ça, faut faire gaffe. Oh, mais la forteresse ici. Mais quoi? Oula. Heureusement que je suis toujours en shift. Ok. Oh, ils vont me payer. Oh putain, j'en ai marre d'eux. Mais d'où ils viennent? Mais oui, mais j'y étais. En fait, attends, je suis encore sur de la brique. C'est comme si la forteresse n'était pas terminée. Oh putain, alors les trous. Faut pas tomber dans un seul, hein. T'es 100% sûr que c'est un piège. D'accord, donc ça continue. Ok, coucou. Moi je connais ici, ok. Alors ça, je vais le cacher, le tuer avec le... Oh, ils ont pas l'air contents. Je trouve ça trop stylé. Le mycélium, on s'en va les couilles. Je veux juste être prêt à déguerpir en fait quand il y aura un problème. Mais j'analyse, hein, j'analyse beaucoup. Ah oui, attends, mais les verrues et le coffre ils sont en bas en fait. Ils sont en bas. Oula. Qu'est-ce qui brûle comme ça? Ou c'est le feu du dessus? Bon. On va checker vite fait là comme ça.
Y'a rien. Non, attends, je suis sûr que c'est au rez-de-chaussée. Il va y avoir des coffres un peu partout, mais le rez-de-chaussée, je pense que c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'on essaie de monter? C'est dangereux ce que je fais. Ok. Un pigline. Oh, il est tombé? Oh, peut-être que j'ai cherché ça. Bon, on va aller au rez-de-chaussée. Si on y arrive. Je sais même pas comment y descendre. Ok, je sais toujours pas ce qui crame, hein. Ok, alors on est à mi ou on n'est pas mi là? Faut que je fasse gaffe, je regarde les cases de repli. J'ai pas beaucoup de repli par rapport à ici. Il y a déjà deux blocs d'or. J'arrive pas à les prendre. Je sais pas ce que je peux jeter, peut-être le seau. Pourquoi je vois ça que c'est violet? Non, c'est pas violet. Alors on est amis ou on n'est pas amis? Va falloir qu'ils me disent rapidement leur réponse parce que je vais pas apprécier longtemps. Ah, y a que les mecs avec la hache qui sont désagréables. Gentils. Ils sont gentils. Ok. Il me reste de la bouffe. Ok. Donc c'est vraiment les mecs avec la hache que je dois capter. Sachant qu'une fois que je les taperai, ils se mettront tous contre moi. Ouais, je les tue quand même, hein, je pense. Parce que je vais pas les adopter et leur donner un prénom, tu vois. Bon, pas de mec à la hache. Je vois rien. Qu'est-ce que quoi? Un peu peur quand même, hein. Oula, c'est quoi ça? Il fait pas le même bruit. On va bloquer. Oh, il fait pas le même bruit lui. Oh, lui c'est un méchant lui. Ok. Ça fait d'autant plus peur que j'ai absolument aucune case de repli. Ok. Il est tombé en bas quoi. Oui, 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 reste là, reste là, reste là. Écoute, si je les one shot, c'est cool. Ok. Ah bah attends, ça c'est moi qui l'ai mis la Nazerac. Mais j'étais là tout à l'heure. Ouais. J'étais là, mais on va descendre. Comme ça je prends un peu la température. Y'a rien d'autre là?
Qu'est-ce que c'est lumineux, la vache? Bon, bah, on va descendre, on va bien voir. Je suis pas méga serein. Ok. Une épée en or. Est-ce que j'ai quelque chose? Peut-être me faire un petit coffre rapido, si, si. Je le sens bien. Juste, ils vont me casser les couilles quand je vais ouvrir le coffre, mais... Ok, qu'est-ce que j'y mets? La poudre. 8 pépites d'or. Le pire, c'est que le reste, j'ai pas trop envie de le jeter. Faudrait que je commence à stocker dans mon coffre de l'Ender. Je vais faire ça. Je vais faire ça. De toute façon, je pense que pour l'instant, les protections, les potions de feu, je vais pas les utiliser. La poule lumineuse, c'est vraiment fait pour la banquer. La tête aussi. L'or, je vais peut-être en re-ramasser bientôt. L'Ender Pearl, je mets. L'alarme, je mets. Le bâton, je mets. J'en aurai pas d'autres. Oh, c'est suffisant. J'ai fait pas mal de place. On reprend le coffre. Vraiment trop stylé l'Ender Chest, hein, franchement, mais... Ok. Bon. Donc là, comme ça, je vois personne d'autre. Dommage que j'ai pas de Netherrack. La brique du Nether, c'est plutôt joli. Bon, je trouve pas de coffre. Hein. Oula, gentil méchant. Ou ça, c'est un méchant. On va le buter maintenant. Ça, je l'ai pas. Oh, mec. Ok, là il y a des morts. Lui, il a pas pris l'aggro. Non, ok, cool. J'étais déjà venu par là, non. Je continue mon petit tour. Je vais essayer de descendre. Ok, j'aime pas beaucoup leur bruit. On va prendre l'info. Ils font beaucoup trop de bruit pour moi. C'est une hache? Non, c'est une épée. Écoute, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oh putain! Oh, tous les blocs d'or. Ils ont pas l'aggro, eux, non? Ok, il n'y en a aucun qui veut ma peau, c'est cool. Là, on va juste faire un trou. Ok. Et un petit coffre. Ah oui. Ok, bah en fait, peut-être qu'il n'y a qu'un seul coffre ici. C'est celui du centre. Je me doutais qu'il y avait un... Parce que dans un autre, il était aussi... Enfin, il y en avait un. Oh, il n'y a pas que des gentils là-dedans. Pas prendre de risques, j'ai tous les butés. Je vais m'assurer que j'ai bien tout fermé. Oh putain! Et bah, heureusement qu'il n'y avait aucun avec la hache, parce que sinon j'étais mort. Voilà, c'est dit. Bon, par contre, barrez-vous, parce que sinon. J'ai pas tout mon temps. Bon, du coup, je vais pas les tuer, mais
pourrait aussi se faire tous les magmas là. C'est quoi ça? Ce truc qui pend? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Ah merde, mais putain, mais... Comme j'étais en zoom, j'ai pas capté à quel point il était proche. Faudrait qu'il se rapproche parce que... Sinon le cube de magma va tomber dans l'eau. Enfin dans la lave. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un spawner? C'est un spawner à quoi? Ça, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Mais arrêtez de me sauter dessus. Tu as vu le nombre de cubes à... Attends, si c'est un spawner à magma, c'est la première fois que j'en vois un. C'est un spawner à magma? Mais quoi? Et depuis quand ça existe? Ouais, on va se rapprocher. Là, je suis sur le cul. Vraiment, je suis sur le cul. Hein. J'étais très loin de m'imaginer que ça existait. Allez, rapproche-toi. Normalement, les petits sont inoffensifs, on est d'accord. Juste un peu d'XP. Ouais, il est quelque part sous le pont, on va se rapprocher. C'est un cube, hein. On va se rapprocher encore. C'est pas... Mais casse-toi. Bah j'ai juste envie de tout blinder par terre du coup. T'es gentil. Oh. Oh putain. Oh la vache. En fait, ça a fait des dégâts constants. Je savais pas ça. Je regrette presque de pas avoir gardé ma potion de... Attends, il me fait encore des dégâts? Ah, il y a les dégâts de contact, il y a les dégâts de feu, ou je sais pas. Bah ouais, c'est un spawner magma, hein, une... j'en ai jamais vu autant de toute façon. Et j'espère qu'il y aura les verrues quand même parce que... Ou un disque. Non, les verrues surtout d'abord. Trop stylé. Parlez-vous. Oh putain. Ça commence à appuyer. Ça appuie beaucoup. Ouh là là. Ça pue de ouf, hein. Mon coffre de laine, il est au taquet. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour des situations comme ça. Tiens, meurs, enculé. Bon, dommage que l'XP meure, mais... Ça surprend. En fait, l'escalier est merdique.
Quoi? Ah, celui-là, je l'ai pas compris. Putain. Fait le temps que tu butes le gros puis les petits, le prochain a déjà respawn. Donc. Oh, voilà, c'est une range de taré, ça. Attends, c'est vraiment de la merde ici. Oh mais putain, mais c'est quoi ces sauts de merde là? Oh, fuck. Tant pis, mais là ça me casse les couilles. Je m'en sors pas. C'est bon. Dégage. Arbalète, c'est pas mal. Hein. J'aurais jamais eu autant de. Et le pire, c'est que ça fait des potions de résistance au feu, je crois. Oh, putain, il y en a encore un autre là. Il s'est passé des géants qui tombent, hein. C'est pas des. Oh putain. Ah, ça fait peur quand même. Allez, c'est bon. On va pas être plus gourmand que ça. Aussi. Hop. Allez, on va pas être plus gourmand que ça. Ah, ah, si, quand même. On va essayer de les avoir par là. Allez, peut-être. C'est phénoménal. Hein. Oh, t'es un gros bébé, tiens. Ah, j'ai plus. Ah, alors peut-être. Ça commence à ressembler à quelque chose. Enculé. Que ça faisait pas de dégâts. Mais oh putain, elle est saut. Je les ai pas encore intégrés. Hein. Faut pas que je le tue avant qu'il soit sur du. Oh. Du coup, je me prépare ma petite ferme. Hein. Ça rapido celui-là. Ok, je n'ai pas d'autres. Hop, c'est pas trop mal. Oh putain, la montagne d'or. Ok, je peux encore mourir ici. Hop. Oh putain, c'est quoi ça? Et qui c'est qui a allumé la. Le feu par terre? Et qui c'est qui fait ça? Bah, c'est pas moi, hein. Putain, j'en ai 16. Putain, mais moi j'allume pas le feu par terre. J'ai un petit peu de roche là.
Bon, là, il va falloir qu'il me laisse tranquille quand même, hein, parce que... Il saute par-dessus, là. Oh oui, ouh. D'accord, d'accord, oui, t'es un grand, toi. Ah, c'est chez moi, ici. Oh, c'est quand même pratique, là. Oh, mec, c'est trop bien. Je fais une quantité d'XP, c'est incroyable. Putain, il saute de 4. Ouh la vache, mais ça merde. Oh la vache, mais il saute de 5, en fait, 6. Je vais jamais être tranquille. D'accord. Toujours pas mort. Ah merde, j'en ai buté un autre. Il est mort. Faut juste que je me fasse un toit du coup. En me disant que... Putain, mais du coup j'ai pas besoin de ça. Alors, si mes calculs sont pas mauvais, ils ne passent pas. Les grands ne passent pas. Et c'est tout ce que je veux. Voilà. J'ai fait le bloc de quartz, ça sert à rien du tout. Ok. Putain, c'est un abri anti... anti-slim. Bon, alors, il va y avoir la question fatidique. Du coffre. Et bah pas de verrue. Dommage. Modèle de forge. J'aurais un peu de netherite. Ok, bon. Je vous propose qu'on les pille un petit peu. Il peut pas, on est d'accord. Non, il va mongoliser. Eux par contre ils peuvent. Lui c'est un grand. Il va pas réussir hein. Non. On peut tomber là. J'ai pas de potion. On va... Elles sont où mes potions? Oh là. J'ai eu sacrément peur. J'ai 11 blocs d'or, mais la vache! Oh putain, mais. Eh, mais eux, faut qu'ils se calment! L'arbalète est quand même vachement cool. En plus, tu peux ne pas viser forcément très bien et ça marche. C'est n'importe quoi, c'est trop drôle. Des petits dégâts quand même. Et barrez-vous! Voilà. Putain, en plus, j'ai fait tout ça juste pour savoir si je tombe ou pas. On tombe pas. Ok. Oula.
Bon, écoutez, il n'y a pas de coffre. Hein. Salut. J'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Donc maintenant, on va... Ouais, c'est ça. On va regarder les autres étages. Quoi ? Faut pas abuser, mais... Ah, putain. Mais comment je peux résister à ça ? En fait, il y en a tellement. Bon, allez, allez, on bouge, on bouge, on bouge. Enfin, je mange parce que j'ai pas beaucoup de vie. Ça, c'est un mec à la hache, je vais le buter maintenant. Ok, d'une. Oula, oula. Oh là! Chanceux! Oh putain! On va aller chasser. Hein. Oh! Oh, j'ai failli le taper! Le truc, c'est que je sais que l'autre est quelque part par là. Il est là. Attends, je fais pause. Mais que quoi? Mais. Ils se reposent jamais, eux, hein. Ok. Bah, peut-être qu'il faut tous les buter maintenant. Hein. Ok, bah j'espère qu'il est pas juste devant là parce que. Ah, j'y recule. Pourquoi il... Ok, allez, allez, c'est bon, on est content. On va pas demander pourquoi. Oh, un coffre. Ok. Je pensais pas qu'on allait en trouver un. Ils vont me saouler encore là? Ah bah oui. Toujours pas de verrue? Oh, une côtelette. Il rentre pas là. Ok, pas de verrue. On cherche les verrues. Bon. Bah on va monter bêtement. On va monter bêtement. Parce que maintenant qu'on a les pieds dedans, hein, je veux dire, on va essayer d'augmenter la cadence.
C'est quoi ça? Ah un cube du magma encore. Oh putain. J'étais pas allé encore ici. Ah bah ils sont bien là. Autant dire qu'ils vont tous me sauter dessus. Oh putain, oh il m'a fait peur. Ok. Ah non mais lui... Ah non mais attends mais c'est pas de... Y'a que des zombies là, y'a pas de piglins. Je vois pas de... J'ai peur de le buter. Ok. Ah mais attends, c'est moi qui étais là? Pourquoi il y a un établi? C'est à moi? Ah oui, c'est à moi. C'est à moi, c'est moi qui étais là. Ok. Alors, on va faire un petit tour rapide. Pas de coffre. T'es un gentil toi? Ah oui, t'es un gentil. Oh putain, il aime pas ça. Mais nique ta mère en fait, hein. Oh putain. Ok, il tombe du ciel. Il tombe du ciel. C'est pas des anges, mais il tombe du ciel. Oh putain, 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 putain. Genre ça tombe aussi vite que de l'eau. Donc c'est assez violent. Ok. Il y a quoi la Netherrack? J'étais peut-être là du coup. Ah c'est ça qui a coulé. C'est vraiment pas de bol. Ok, j'ai mis la Netherrack donc je pense que je vais pas trouver de coffre à cet étage. Par contre on va tout de suite aller voir. Où est l'autre bastion et se le faire tout simplement. Là on cherche l'autre bastion et on se le fait. Du coup je pense qu'il est en face. Putain mais j'ai vraiment tout fait ici, faut que je monte. Putain j'étais si bas que ça. Ok. Ok bon. C'est quoi, on va tout de suite aller de l'autre côté. En tout cas, ça m'a fait du bien de tuer les mecs avec la hache dorée là. Oh, bâtard! Oh putain, ça va. Là, mes cœurs sont noirs, j'aime pas ça du tout. Oh, il m'a tellement surpris. Je vois pas ma vie en fait. Il met 3 cœurs en moins? Ok. Putain, en fait, quand j'ai vu ma vie en noir. J'ai cru qu'il me restait un cœur, je me disais putain, chaud. Et j'ai cru que j'allais mourir comme le mec avec la hache dorée, tu vois. Attends, lui, on va se faire. Toucher, non? Oh, il n'y a que ça dedans. Toucher. 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 Je les pigeonne. Ils ont pas l'air contents. Hein. On va les canarder. On va les canarder. On va les canarder. On va faire ça bien. Putain, le gaz qui m'énerve depuis tout à l'heure. Ferme ta gueule, toi. Je l'ai pas touché. Non, mais alors ça, c'est des coques.
Regarde, il me donne même pas de larmes. Enculé. Il n'y a pas de larmes, hein, je descends pas. Allez, on va grimper comme ça. Oh, ok, on y est. Alors, j'ai dit que je voulais quand même grimper au quatrième étage pour voir un peu ce qui se trame. Ah, faut pas tomber. Il y a du bruit, hein. Parce que notamment au quatrième étage, je serais mieux pour taper la tour en face. En tout cas, il n'y a pas spécialement de coffre ici. Hein. C'est ça que je voulais voir. Je vois pas de coffre en face. Ce serait idiot de passer à côté de quelque chose, c'est juste ça. Mais... Je vois plus. Je me suis fait allumer par quelque chose. Ah oui. Ok, bon bref, il n'y avait rien. Encore après. Ça doit être là. Ok, c'est là. Donc là, on va chercher la petite fenêtre. Pour les canarder. Ouh là, c'est haut. On va mettre une petite protection anti je tombe. En plus, j'ai même pas de potion. Faut toujours j'en ai une sous la main. Et là, j'en ai pas. J'ai pas de potion là. 6 x 9. 54 et 16, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. J'aimerais bien en avoir au moins une sur moi. Putain, je l'ai déjà cramé l'autre. Donc c'est ma dernière. Ça, je peux le manger tout de suite. L'or pour l'instant. Oulala. Ça en fait. Alors c'est con, mais avoir quelques lingots d'or, ça peut me sauver. Donc je vais laisser pépites d'or. Pour l'instant, je fais rien. Les os, j'en fais rien. Motif de bannière. Crème de magma, je pose. Les chaînes, je vais rien en faire. Enfin, pas esthétique, ça. Débris antiques, c'est posé. C'est bon, en fait, j'ai déjà posé mes trésors. Ok... Les blocs de quartz, non. Je vais fumer ça. Roche noire, je vais fumer. Ça aussi. Roche noire dorée, ça c'est vraiment une collection. Motif de bannière gros. Hein. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas estimer sa valeur pour l'instant. Mais voilà, on a fait de la place. J'ai hâte de bouffer ma côtelette. Et donc au moins j'ai ma potion sur moi. Ok. Allez, maintenant on vous fume. Hop. Ah, tu meurs, enculé. Je les fume tous, mais alors sans distinction. En plus, j'ai... avec la range, j'aurai jamais l'aggro. Puis ils ont pas d'arbalète. Hop. Tu meurs, tu meurs. Tu meurs. Oui, il a une belle mort, lui. Oh putain. Oh quoi, mais. Oh la vache. Non, mais mec, il me pousse dans le vide, je tombe en fait. Non, mais va te faire enculer. Oh le con. Oh, j'ai tapé. Oh bon, on le reverra plus de sitôt. J'ai quand même fumé parce que. Oula.
Ok, bon alors là par contre je me suis vraiment pas fait des copains. Bah mais mec... il faut que je les termine. Hein. Sinon ils propagent l'aggro et tout. Putain alors, là j'ai franchement... J'ai déconné. Hein. Mais mec franchement... il aurait pu me pousser dans le vide en fait. Donc... J'ai pas le choix. Attends, faut absolument que je check le toit. Parce que s'il y a encore des zombies là-haut qui me tombent dessus, faut que je le sache maintenant. Ok. C'est quoi ça? Ok. C'est moi ça? Non, c'est pas moi. Qu'est-ce que t'as? Il me ferait presque flipper. Oh bah il y en a de l'XP, faut que je ramasse. Hein. Ok, hop. Hop. C'est bien, ils sont tous à découvert. Oh, jolie prise. Allez, je pense que c'est bon. On va quitter à traverser, on va se mettre au-dessus du pont. Et on est parti. C'est pas de la verrue, ça, non. Parce qu'on cherche de la verrue, hein. C'est quand même... Moi, on m'a dit, bastion, il y a des verrues. Bon, bah, montrez-moi. Hein. En tout cas, je vois qu'il y a de l'or, ça, par contre. J'ai eu... Oh putain, je suis déjà là. Alors, je vais monter. Ok. Faire le tour. Oh. J'ai le droit à deux coffres d'emblée. C'est ouvert. Pas de verrue, putain. Casse-couille, hein. Allez, je suis à peu près sûr qu'il y a d'autres coffres en haut. On ira vers le bas. On commence par le haut, on ira en bas ensuite. Donc là, c'est là où j'ai un peu peur de monter. Parce que si je me fais bump, je meurs. Il y a un trou là, c'est quoi? Il y a un trou. Ok. Bon, je suis le roi du monde. Ok, donc maintenant je peux chercher à descendre. J'en ai fait trop. Ouais. Ok, bon bah écoute, on descend. Hein. Oh. J'étais passé à côté de ça. Je suis pas au même endroit. Il y a encore un putain de... C'est toi. Touché. Ok, c'est lui, il est mort. Oh là là, mec, la gâchette. Oh, il n'y a pas de verrue, mais putain... Ah, il a agité des âmes, c'est pas mal. Bah merde alors. Bon, solidité, je vais la prendre quand même.
Les flèches spectrales, bon. C'est quoi le saut? Je pense pas qu'il me serve pour l'instant. Acheter des âmes. Faudrait que je fasse une meule. Pour récolter l'expérience, je vais faire ça rapido, ça va être marrant. Peut-être une petite expérience. Meule Minecraft. Deux bois, une dalle en roche. Je sais pas si on va réussir à se le faire. Bon, en tout cas, apparemment, il y avait deux entrées parce que je me chope des coffres. On va tenter. Première étape, l'établi. Deuxième étape, le four. Bah, je vais pas pouvoir. Et non. Et non. Parce qu'il n'y a pas de roche ici. Il n'y a pas de roche noire. Donc il n'y a pas de meule. Bah, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste vérifier ce qui est utile ou non. Ok, ça je peux volontiers m'en passer. Peut-être changer l'état des casques. Ah dommage, j'ai pas de roche. On a une chest, je le mets là. Recul, ça c'est cool. Recul solidité, ok. Une épée en or. Voilà, c'est pas trop mal. Ok. Donc je vais juste remonter pour vérifier, mais il y a eu deux entrées. Entrée numéro 1. Et entrée numéro 2. Ok, j'ai compris. Bon, on va continuer sur le gros coffre. Heureusement que je descends tout en bas là. Ouf. Faut que je me méfie parce que à vouloir être trop rapide, il va m'arriver des bricoles. Je flippe, hein. C'est beau. Et ça remonte. Donc là, ça va être l'autre tour. Ah, c'est l'entrée. Bon, bah écoute, je suis tout seul, je vais pas m'en priver. Ok. Attends, mais c'est tout fin comme ça? Je crois que c'était un gros bloc. Quand je suis dégoûté, parce que s'il n'y a pas de verrue du Nether, j'espère qu'elles sont en bas. Par là, je vois rien. Et c'est la fin. Ok. C'est tout fin comme bâtiment, en fait. Je pensais que c'était super carré. Bon, après, il va peut-être me rester encore des surprises. Hein. Parce que les tréfonds... Oh, c'est bien, c'est lumineux. Ok. Genre dans ces endroits comme ça, il y a un peu plus de surprises quand même. Peut-être le boucher, ça. Oh, bah ça met pas 3 heures. Hein. Où c'est profond? Où c'est profond? On puisse amener à quelque chose. On va éviter de tomber. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même pas moi qui ai mis ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Du quartz? Des os? Et va. Il y a des os qui sont encastrés là-dedans. Marrant. Oh putain. Ok. Si je pouvais les entendre, ça me rassurerait. Ok, ici on a tout vu. Bah, j'explore. Hein. Ok. Ok, pas grand chose à dire. Et genre, en fait, le bastion était tout petit. Ok. C'est quoi ça? Encore un os. On va remonter et voir si un autre endroit. Donc, on va dire que ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a un autre endroit? À gauche, c'est de là d'où je venais. On va remonter. Et en fait, là, c'était le même endroit. Donc tout ça, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, on regarde une autre entrée. Ça, c'est vide. Je peux aussi faire par là maintenant. Ok. Je prends à gauche. Et donc normalement, si je suis pas stupide, ça mène aussi là. Ok, dans les deux cas, on peut descendre. Ouais. On va virer ça maintenant. Ok, ça mène en bas. Y a rien. C'est quoi, c'est une forteresse ça? Je pense pas. Trop de brume en tout cas pour savoir. Ça, c'est là où j'étais. Je vais mettre une lampe torche. Mais ça, c'est de la roche noire, ça. Ouais, je peux la faire, ma meule. Si je dis pas de bêtises, on va essayer de faire une meule ici. Donc, première étape. Établi. Ensuite, un four. En fait, il me faut une dalle. On va essayer comme ça. On va voir si on peut le faire cuire. On peut pas. Donc, soit on fait une dalle comme ça, soit il n'y a rien à faire.
Bâton. J'ai pas d'autre bois. Non. Ah mince, j'en ai fait trop. Tac, 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 tac. Pas de meule, hein. Non. Ils disent que c'est forcément... la dalle de roche. Oui, deux roches. Pas de roches noires. Ok. Donc, pas de meule. Ok, c'est bon à savoir. Les petits bâtons, il n'y a rien à en faire. Je sais pas quoi garder du coup. Ça, je garde là, ça, on s'en fout. La poudre d'os, je pourrais en faire un bloc, non? Ouais, super. Voilà, c'est pas trop mal. Et je récupère ça. Bon, on est en bas, il n'y a rien du tout. Donc, c'est la loose. On a tout clean. En vrai, tu fais un passage secret derrière, ce serait trop stylé. Donc, tout ça, c'est exploré. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non. Pas ici. Non, en fait, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Ça, c'est fait. Là, c'est symétrique. Fait. Fait. Donc, je remonte. Et en fait, ouais, c'est... Dommage pour cette histoire de meule. Je vais foutre dans mon coffre. Je sais pas si j'ai la place. Ah, j'ai pas de place. Je vais virer des trucs qui servent à rien. C'est un jeu de gestion, hein. 8 pépites d'or, je peux m'en passer. 52, c'est pas indivisible par 9. En vrai, je peux faire ça. Bon, voilà, hein, j'ai mes 3 places. Ah, par contre, je peux les fondre. On va faire ça, c'est marrant. J'ai pas de roche. Putain, la roche est en bas. Ah, mais quel seum. Déjà, on va faire les pépites. Hop. Et ça, normalement, on va pouvoir le fondre. Ça va être stylé. Donc là, on retourne en bas. D'ailleurs, j'ai la flemme. On va passer par son chemin. Bien retomber sur nos pieds là. Pourquoi je tombe sur rien? Ok.
plus compliqué. Là, c'est un bruiseur squelette. Ok. Enfin, profond, profond, il n'y a rien. J'irais presque passer en créatif juste pour passer dans les murs et m'assurer qu'il n'y avait pas de coffre oublié. Ce serait un peu cheaté, mais au moins pour comprendre la conception du... La conception du bâtiment. Et notre premier objet à fondre est cette hache. Voilà, comme ça on va faire cramer des bouts de bois. C'est très bien. Et on gagne une pépite. Par contre, je trouve que une pépite, c'est pas beaucoup. Franchement, je trouve ça abusé. Parce que j'ai l'objet, et par exemple le plastron, il m'en a coûté 9. Et 9 lingots. Et je le crame et j'ai qu'une pépite. Enfin, c'est pas beaucoup en fait. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Tac. Hop. Et ben voilà. Bon bah j'ai tout fait. Hein. Bah du coup pas de verrue. Ah c'est casse-couille. C'est casse-couille. Puis c'est pas comme si j'avais loupé un truc quoi. Mais en vrai, ouais, à part si j'ai encore. Si j'oublie un coffre là-dedans, mais. J'y crois moyen. Dommage, hein. Mais ouais, c'est déjà la fin en fait. Genre, limite, il n'y a que dalle. Et là où il n'y a rien, on a déjà fait. Ok, bon, on va descendre là. C'est bien par là que j'étais passé. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. T'as raison, je suis pas acculé en fait. Oh mais meurs. Il est si loin que ça. Pendant un petit moment, c'était stylé de me dire que j'étais dans une forteresse et que j'étais attaqué par un ghast. Oui. J'ai pas de place, mais j'ai une larme. Elle est tombée? Non, c'est moi. Ok. Bon, du coup, c'est l'histoire d'une forteresse qui n'avait pas de verrue et d'un
Ah, je peux pas le ramasser. Bah, je vais faire des torches. En espérant que ce soit pas une mauvaise idée. J'ai commencé à plus avoir beaucoup de place. Mais non, pour moi c'est clair, il n'y a pas. Je pense pas oublier d'autres coffres. Voilà, c'est la fin de l'exploration, enfin. Oh putain, pas deux fois, hein, merci. Merde! Bah oui, soyez 50 les gars. Oh putain, mais pourquoi j'ai attaqué? Oh. Eh, soyez con, soyez con. Soyez con, soyez con. Le truc c'est que ça se ramène sans cesse. Bon, lui je vais le tuer parce que de toute façon je le sens pas. Oh les respawns c'est cool hein. L'arbalète c'est cool hein, vraiment 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 cool. Waouh. Je suis tellement full, je peux pas ramasser quoi. Je sais pas quand est-ce que je vais te libérer de ça. Hein. En tout cas pour l'instant pas. Putain, je peux pas jeter ça. Pour l'instant. Ouais, barre-toi en fait. Oh, il y en a encore d'autres. Non mais pas les gosses. C'est bon. Heureusement qu'il n'y a pas les blazes en même temps parce que j'aurais vraiment eu du mal.
Tiens, regarde, de qui on parle? De qui on parle? Les Ghast, les Blaze. J'ai un peu peur. Écoute, s'ils m'ont laissé tranquille, tant mieux. Ah, y a un petit bâton de blaze là. Pas où ce qu'il est. Il m'a donné un truc enchanté, c'est une hache, ok. Bon, on va peut-être se tailler. Et de toute façon, les verrues, va falloir que j'y trouve autre part. Mais fin du run. Fin du run, on a tout exploré. Pour moi, on a rien oublié. En tout cas, on aura découvert un spawner de magma. Donc ça c'est cool, mais ouais. Bah du coup, bonne chance, malchance. C'est que à côté de mon portail, j'aurais trouvé rapidement une forteresse pour les Blaze et un bastion. J'ai plus l'aggro. Ah, c'est cool ça. Voilà, mais pour autant, j'ai pas eu les verrues, donc incomplet. J'ai tellement peur. Ok. Ouais, ça ira dans la meule aussi. Hein. L'épée en or, j'en fais rien. J'ai juste envie de m'amuser avec la meule. Voilà, terminé. Hein. Ah oui, c'est peut-être ce coffre-là que j'aimerais savoir s'il y a quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. On verra ça un autre jour. Cube de magma, je prends. Bâton de blaze, j'aimerais bien prendre. Bon, les petites roches, je peux m'en passer. Oh, l'obsidienne, j'aimerais bien l'avoir quand même. Poule lumineuse, il me la faut. Ça aussi. Bah, il va falloir que je fasse une petite halte. Oh, mais parez-vous! Putain, juste être tranquille en fait. Tac. Tac, tac, tac. Poudre de magma, boum. Blaze, boum, boum. Boum. Ok. 54, c'est un diviseur. Bah alors là, on est bien. Voilà. Obsidienne pleureuse. Et bah voilà. Potion de feu, ça peut résister là, ça peut rester là parce que c'est pour. Ok. Pépite de fer, je peux peut-être le transformer. Ok.
acheter des âmes en vrai. Enfin, je vais garder en souvenir. C'est pas ce que j'ai de plus utile. Ça, je l'ai ramené à la maison. Pierre lumineuse, je devrais la ramener. C'est pas encore. Ok. En vrai, l'obsidienne pleureuse, je devrais m'en faire maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et peut-être un moins. Ouais, tac. Ok, bingo. Barrez-vous. C'est beau, hein? C'est beau. Ok, bonne chose faite. Putain, j'ai 3 Nazorak, qu'est-ce que j'en fais de ça? Le but c'est de prendre un maximum d'ici. Obsidienne pleureuse, je la laissais là. Par contre, l'obsidienne, je vais la prendre. Là, j'ai encore 64 flèches. C'est un délire. Le cuir, je prends. Brique du Nether, ce sera joli chez moi. Sable des âmes, oui, je prends. Je vais prendre la ficelle en attendant. Ça me va. En plus, je crois que j'ai encore 2-3 objets à prendre avant de partir. Donc faut pas trop que je me bourre. Donc on va rester comme ça. J'ai pris l'essentiel, le reste ce sera plus utile ici. Ok, et on se taille. De gaz encore. On les ralentit. Hein. Ah oui, non, la terre des âmes, ça va. Par où je suis censé aller là? Bah attends. Ici.
Connard. Bah voilà. Et là par contre j'ai un petit peu peur. C'est que la dernière fois que j'étais revenu, il m'a pas ramené à mon portail à moi, mais à un autre. Donc très relou. Il y a encore un ghast, ça commence à m'énerver. Surtout quand tu gères tes coffres, t'as juste envie d'être tranquille en fait. L'arme de ghast. Le reste, je suis pas sûr de pouvoir empiler grand chose. J'aimerais bien reprendre mes émeraudes. Ça, ça, la TNT, tout ça en fait. Ça encore, ça va. Brique du Nether, on va juste voir ce qu'on peut en faire. On en fait juste des briques, hein. Donc en fait, je peux peut-être gagner de la place tout de suite en faisant ça. Ok. Bon, ça, on a dit que plus tard. La côtelette... voilà. Ok, le bois, on n'est pas obligé. Pour 5, je peux faire ça. Et il faut la place du coffre aussi. Du chess. Jeter un truc. Jeter un truc. Tout me semble tellement important là. Bof, ma pelle. Faut pas que j'oublie, j'ai qu'une pelle, c'est de la merde. Ah non, mais celle-là je la vends pas, c'est la mienne. C'est que celle-là que je fais, ok. Bon bah voilà. C'est pas trop mauvais. Alors, où est-ce que j'apparais? Soit je suis dans les profondeurs. Et voilà, il m'a encore mis là. Putain, quel enculé. Vous voyez, c'est absolument pas là que je suis censé arriver. Bon, on va tout dégommer encore. Efficacité 4. Efficacité 4. On va juste le casser. Et on va remonter. Hein. J'ai déjà remonté une fois, mais on va remonter deux fois. Hein. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait de l'eau. Pfff, j'ai rien pour le casser. Ok, bon ça au moins c'est rapide. Par contre, c'est absolument pas là où je suis censé arriver en fait. Oh, le mangrove, il a poussé. Stylé. On va aller voir ça maintenant. Stylé. Putain, il en a fait deux. Mais attends, j'en avais mis qu'un. Pourquoi il pousse deux fois ?
Ah non, j'ai peut-être mis deux. Ah, c'est possible. Ok, j'en ai peut-être mis deux. Par contre, c'est vachement stylé. Je suis très content de comment ça rend. Ça a fait des lianes. Ma potion de feu jetable, j'aurais pu la laisser sur place. Allez. Dodo. Ma boussole, oui, ok, c'est là. La canne à pêche, j'aurais pu ne pas la prendre. Ça sert un peu à rien. On va faire la meule tout de suite. Pour être débarrassé de pas mal de trucs. Ça doit être suffisant en plus. Ah mais oui, mais tu m'étonnes que j'ai aucune respiration. Bah ça j'aurais pu le laisser dans le coffre par exemple. Dalle de roche. Putain, j'ai encore fait la même erreur. Alors, 2, 2 et 1. Et j'ai une meule. Stylé. On va ranger tout ça. Hein. Attends, mais je... Ah, on peut pas en ranger plus de 16. Oh, j'ai oublié ça. J'avais oublié ça. Ok. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai que 3 fantômes alors que je suis censé en avoir plus. On devait être ailleurs. Alors, sûr, je vais mettre ma potion ici. Donc, quelque chose va dégager. Ça, ça va me permettre pour la décoration. Ça, je vais le meuler. Ah oui, c'est les charbons noirs que je veux. Et je vais faire une petite maison. Donc là, j'aurai de l'obsidienne, je vais rien en faire. La tête du Wither. On va pouvoir l'accrocher quelque part. On va l'accrocher pour notre forge. On va faire une forge rapidement.
Donc je peux pas en mettre de trop. Je suis pas sûr d'avoir besoin de grès quand même. Ah bah si. Si. Ok, bah voilà, on est bien. Alors j'essaie de... Alors où est-ce qu'on va la faire? Je me voyais bien la faire par là. Bah peut-être ici tout simplement. J'ai oublié de prendre le charbon. Ou dedans. Soit je le fais à l'extérieur, soit je le fais à l'intérieur. Mais au moins ici, c'est vraiment proche du village. Je vais la faire à l'extérieur. Alors, va falloir checker vite fait. Tiens, bah avant de la meuler, je vais peut-être m'en servir. Ça, c'est un sol de diamant. Dehors. Est-ce que le sens a une importance? Je crois que oui. Le sens a une importance. Mais on va pas faire attention. Donc le sol pourrait être comme ça. Ou bien le sol pourrait être en charbon. Ou un peu des deux, hein, forcément. Aussi la couleur des murs et le fait qu'on peut faire ça aussi en brique, mais... je peux aussi faire un sol comme ça en damier. C'est pas mal ça comme je pense savoir trouver. C'est 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux faire une fois comme ça. On peut pas changer le sens.
Ah putain. J'ai chié. Ça fait un objet en moins pour la meule. On voit rien. Le bâtiment excentrique, hein. Et puis on va faire deux entrées, une par la ville et une pour moi. Ok. Un, deux, trois, ça va le faire. Ça va être stylé, hein. Très sombre, mais très stylé. Oh la vache, ça rend tellement bien. Ça rend super bien. La particularité, c'est que je ne vais pas mettre de porte, je pense. Il est rentré si vite que ça, lui. Oh, c'est stylé. Ça rend bien. Je mettrai une enclume aussi. Mais voilà la meule. Je me suis fait un endroit. Je mettrai un toit en brique du Nether, je pense. Oh, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. Ça coûte un peu cher. Mais... peut-être mettre deux fenêtres là. Ok. Et donc là, la meule. Ok. Ça disparaît pas. Là j'ai châtiment 4 et solidité. Je me demande si je gagne beaucoup d'XP ou pas. Ça va. Protection 2. Je gagne tellement d'XP. C'est abusé. Alors non, pas celui-là. Ok, bon ben on valide, hein. On gagne beaucoup d'XP. Avec, je vais mettre un four pour en faire des confettis et une enclume, quoi.
four enclume là, à gauche. Ça peut être vraiment bien. Je vais pas mettre d'établi ici parce que ça va vraiment faire moche. Peut-être un haut fourneau du coup. Je vais faire un haut fourneau. Attends, je vais juste mettre four. De toute façon, il n'y a que deux types de four. Alors, four Minecraft. Et il dit pas. Donc, on va demander fumoir. Donc ça c'est entre 4 planches de bois. Mais c'est pour la nourriture. Et après il va y avoir au fourneau. Ça, ça va être... donc ça j'ai bien capté, c'est 4 lingots, 3 roches. 5 lingots, 3 roches. Mais après il y a établi du forgeron. Ça c'est avec 2 métal. Mais du coup il y a... Celui qui fait les outils, c'est quoi? Forgeron outils. Il dit pas de quoi il a besoin. Là, je veux les métiers. Mais il dit pas. Fermier, fléchier, forgeron d'outils. Table de forgeron. Et l'autre, c'est meule. Ah, ok, table de forgeron. Ok. Ok, donc je les avais bien tous. Donc... J'ai un peu de roche, j'ai du métal. Pierre des abîmes. Ensuite, je vais pouvoir m'en servir. Ok. Première fois que j'en fais un. Ça ne marche pas. Au fourneau. Faut de la roche lisse. Ah putain. J'espère que ça va faire de la roche lisse. On pourrait faire un entonnoir aussi. On pourrait faire deux entonnoirs peut-être avec un coffre. Je vais me souvenir comment on fait un entonnoir, mais je crois que c'est assez simple. C'est un coffre. Ok, bien joué. On n'a plus qu'à en faire deux. Un d'accueil et un de sortie, tout simplement. Ok.
Bien joué. Ah, c'est stylé. Ça rend bien, je suis content. Il y a quelqu'un qui va regarder. Oh, il avait. Ça faisait 2 ans qu'il avait pas eu de métier, lui. Ah bah tiens. Forgeron d'armes. Alors, je vais peut-être pas t'acheter ça, parce que c'est un peu cher. Par contre, non, mais ça coûte trop cher. Je vais pas lui acheter pour l'instant. Bon, ça se balade, il est bien aimé. Hein. Ok. Donc l'idée, c'est que je pourrais mettre un haut fourneau, admettons, ici. Mais l'entonnoir... Ah d'accord. Ah mais oui, mais il y a eu plein de nouveaux... Il y a eu plein de nouveaux bébés, c'est pour ça. Ouais. Donc en gros, je devrais pouvoir faire ça. Bon, du coup, il a perdu son boulot. Je vais enlever les fenêtres, ça va pas être très joli ici. Ok. Et du coup, je me demande si je vais pas le déplacer un peu. Et après... Ouais, je l'enterre dans le sol, non? Ou juste je le mets comme ça. C'est pas trop mal comme ça. C'est esthétique. Donc là, normalement, je mets tout ce qui me chante. Test. Et il aime pas? Bah regarde, c'est censé marcher quand même. Il faut mettre un four normal, il aime pas. Ah le con. En tout cas, le reste, ça a marché. C'est étonnant. Il veut pas mettre les outils. Alors que... Mais attends, mais là-bas, j'avais réussi. Perdu. Ici ça marchait bien. Alors ici ça marche. Pourquoi là-bas ça ne marchait pas? C'est étonnant. Bah alors. Qu'est-ce qu'il me fait?
Et pourquoi il met ça en haut lui? C'est tellement con, hein. Il le met en haut, ok, bon il est con. Mais là ça marche. Tiens, ils sont là mes trucs de fantôme. Je vais les prendre, ok. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ah, c'est la position. Faut que ce soit absolument en haut en fait. Quand ça arrive sur le côté, c'est pour l'étage du bas. Mais si c'est en haut, c'est l'étage du haut. Je pense que c'est ça. Je vais regarder un tuto en tout noir. Ok. En fait, il en fait rien. Parce que... Mais en fait, je sais pas pourquoi il fait ça. Et il veut pas l'envoyer en haut. Si je le mets là et là il va en haut, donc il y en a un qui est pour ouais, je suis obligé de le mettre en haut, ok. Il n'y a que trois possibilités, il faut que je fasse comme ça. Mais c'est chiant de mettre les objets en haut, quoi. Sinon... C'est un peu complexe à faire.
Toi, c'est trop haut, ça m'agace. Ouais, il y en a qui vont perdre leur métier, mais... On peut pas pousser les coffres. Déplacer un coffre avec des pistons. Les pistons ne peuvent pas pousser un coffre. Alors, ensuite. Le haut fourneau. Ils sont tous allés se coucher, hein. Donc l'idée c'est que si je mets du charbon, ça fera rien parce qu'il arrive en pas la bonne position. Ok. Voilà. Pas trop mal. C'est vite que ce soit trop quoi, sinon j'aurais pas aimé. Et ben voilà. C'est joli comme tout en vrai. Hein. Ça rend bien. Ça rend bien. Franchement, il y a pire. Il y a du sable des âmes un peu autour, ça peut être joli. Ok, c'est stylé comme ça.
Oh non, pas encore. Voilà. Il va où? Oh, ça rend bien. Enfin, surtout là. Là, je sais pas si je vais le mettre. Ah, c'est une jolie pièce. Too much. Armurier, armurier. T'as pas d'autres stuff là? Non, toi c'est bon. Oh merde, c'est pire. Reviens, 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 reviens. Il était mieux dans l'autre sens. Bouge. Châtiment 2, ok, ça me va. C'est toi qui pue du cul en fait. Ah, il s'est retrouvé dans... Bon, tous les deux demanderont un peu de charbon comme ça. Mais épée, c'est pas un outil. Ah non, faut juste une table de forgeron. Ok, j'ai compris. Est-ce que je fais une table de forgeron ici? Non, je vais faire un autre stand. Je ferai un stand table de forgeron et table de fichier aussi. Bon, voilà, il n'y a pas de toit, mais c'est joli. Franchement, on peut être content. On peut être content. Ok. Et on va en chercher les autres. Hein. Normalement, il y en a d'autres. Bah, il n'y a pas d'autres. Si, il y en a d'autres, alors lui on va le meuler. Et ceux-là, on va les fondre. Lui on va le fondre.
Là, il manque juste du charbon, quoi. Ah, du coup ça va me bouffer la place. C'est bien. Le bâtiment est vraiment trop cool.
Ok, bon bah c'est bien. Ben voilà, ben j'espère que le petit live t'a plu. Moi je me suis beaucoup amusé. Et j'aurais kiffé construire ça en face. Je te dis à la prochaine, c'était Big Monster. Ciao ciao.